Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue pour ce quatrième épisode. On suit toujours la petite Anya qui essaie de survivre péniblement, mais bon, comme on vient d'avoir une lame de scie, il faut que je choisisse où je vais aller. Et c'est un peu la question que je me pose. Par contre, qu'est-ce que je peux brûler? Je vais devoir brûler des trucs. Je dois absolument brûler des trucs. Ça, je peux l'améliorer ou pas? Oh, je peux l'améliorer. Mais ça va pas me servir à grand-chose, je crois, d'améliorer. Allez, ce sera ça de fait. Alors que ça, après je vais avoir une hache et casser genre ça, casser genre un des deux lits, casser les trucs et récupérer du bois. Mais bon, comme je sais plus ce que ça débloque, ça, on va faire ça et ce sera déjà pas mal. Et la lame de scie, est-ce que j'utilise au chantier ou chez les bandits? Je pense qu'au chantier ce sera mieux. Il y aura plein de bois peut-être. Oui, ok, du coup, bon, je pourrais faire ça pour avoir de la viande, mais c'est pas ce qu'on veut. Une guitare. Eh, mais il y en avait une cassée à un moment, je sais même plus où elle était, tant pis. Par contre, un atelier de plantes. Pour faire des cigarettes avec. Est-ce que j'en ai besoin? J'ai besoin de rien de tout ça. J'ai vraiment besoin de rien de tout ça. Par contre, c'est marrant, c'est que cette maison-là, on ne peut pas la barricader, tiens. Voilà, on va juste faire ça. On va en faire deux aussi avec du bois et on va aller au chantier, je pense. Après, si la nuit, elle est pas là, est-ce qu'elle peut vraiment tomber malade? Parce qu'on n'a jamais vu des persos tomber malades dans la journée. Dans ce jeu. Je sais pas trop comment c'est calculé, pour être honnête. Ouais. Oui, les anticiper, mais est-ce que j'ai besoin d'anticiper là où j'ai pas beaucoup de choix de base? J'ai rien anticipé, c'est-à-dire que juste... je fais le peu que je peux, quoi. Hop, je vais prendre ça, au cas où derrière il y a quelque chose. Et on sera pas mal. Eh, salut Papa Furax, comment vas-tu? Bon, écoute, ça va tranquillement. Hop, l'objet s'est cassé. Mais je vais peut-être trouver des trucs miracles ici. Pas du tout. Attention, deuxième essai. Oh, très bien ça, le thermorégulateur. J'ai plus assez de bois, je crois, pour améliorer la chaudière, mais dans l'idée, c'était bien. Ok, donc s'occuper du voisin à fond pour avoir le thermorégulateur rapidement. Bon bah voilà, je pense j'ai tout ici hein, de souvenir. Il n'y avait rien d'autre. Allez, let's go. Let's go, let's go. Du coup, j'aurais pas dû améliorer mon atelier. Si j'avais su. Mais dans ce jeu, on ne sait jamais. C'est ça qui est beau. Enfin, qui est beau, je ne sais pas, mais... Qui est plaisant, en tout cas. En partie. Parce que j'ai toujours pas de médicaments qui auraient pu sauver Ruben. Ah, très faim, besoin de repos. Oui, ils sont pas désagréables. Tiens, mange des petits légumes. Non, très faim, en plus, ça peut rester 2 jours avec très faim. À pas nous embêter. Il est temps de jeûner. T'es abstinent, tu vas t'abstenir de manger. Ah, ça demande pas de bois, ça. J'ai combien de bois, d'ailleurs? 10. Oui, j'en ai toujours pas 15, de toute façon, du coup. Ouais. Faut un coffee et je suis là pour la guerre. Fais donc tranquillement ton café. Pas de soucis. Ah oui, forcément. Faut qu'on brûle des trucs.
Hop, ça c'est un peu plus proche. Pas assez d'eau de toute façon. Printemps là, tu recevais les oiseaux reviennent, on crame des mecs. C'est à peu près ça. C'est effectivement à peu près ça. Allez hop. On va mettre un peu de bois là-dedans. On est à moins 4. Ça fait combien si j'en mets 2? Alors, hop, 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 hop. Cinq degrés pour deux combustibles à peine? Il fait très froid ou quoi? Très bien. On en a un dernier et ce sera suffisant. J'ai nulle part où aller. À moins que Tito il ait quelque chose à me raconter, mais... Bon bah on va aller voir si Tito il a un truc à raconter, hein. Bonjour. C'est tout? Bon, je pense qu'il n'y aura plus jamais rien à faire ici. Oui, je pense que ça va devenir très embêtant. Que ça n'avance plus et qu'il fasse toujours pas que ce soit toujours l'hiver plein de neige quoi. A très faim, a besoin de repos. Oui. Bah écoute, tu as mangé ça et tu manges encore ça. Et coupe un peu de bois. Parce que t'as une hache peut-être? Il n'y a rien à faire. C'est une infamie, hein, mais... Moins 4. Ouais, bah. On va trouver des trucs à brûler. Puis après, on va se recoucher. J'ai pas beaucoup de choix en fait. C'est dommage en fait. J'aimais beaucoup le début du scénario et tout. Et là. Là, je suis juste dans l'impasse à attendre. Je dirais que ça fait aussi partie de la survie en théorie. Hein, même. Par contre, il fait froid, elle était blessée et tout, elle a guéri. La maladie, les blessures hautes, ça lui fait pas peur à Anya.
J'aime bien ce jeu. Ouais, il est très très bien ce jeu, hein, mais. Bon, là. Là, il fait un petit peu creux, quoi. J'essaie dormi. Bah, attends la fin de la journée. Qu'est-ce que je te dise? Moi, je le serai maintenant que papa est là pour te soutenir, t'as l'air. Merci Marnessa. Passe un bon après-midi. Et bonne dégustation. Too bad. Bah ouais, je t'avoue que too bad effectivement. La hype est assez limitée par rapport à ce que je peux faire. Alors, je vais faire la pub. Pas de soucis. Salut, super l'après-midi. Bon, bah, on va attendre une journée et une nuit de plus. Le début de ce let's play était très sympa et on arrive là sur une fin qui est un peu. Elle commence à se sentir mal. Oui, bah oui, il fait un peu froid, c'est normal. Maintenant, j'ai plus grand-chose pour faire du chauffage. Du coup, ça va aller de mal en pis, je pense. J'ai envie de dire qu'il faudrait que je mette un bouton sur le stream deck pour mute et relancer le micro de mon. Sur Xsplit. Hop, en voie de rétablissement. Elle est plus malade. On va juste en remettre un là-dedans. De toute façon, j'en ai plus qu'un. Et puis bon, on va attendre. Hein. Bon, on va aller brûler de nouveaux trucs. Tu connais Pixel Dungeon? Oui, j'y ai joué pas mal sur Android. Je pourrais pas le retrouver, mais tant pis, hein, entre mourir ou brûler ça, le choix est vite fait. Je vois pas ce qu'elle casse comme planche dans des affaires de prière et autres, mais ça va. Jusqu'où, je sais plus, peut-être étage 20 et quelques ou 30 et quelques, je sais plus. Bon, bon, bon. Je sais pas quand est-ce que l'hiver va se terminer, mais. Je coûte tous les morts. Ah, bonjour Yamete.
Hop, on remet une bûche et on attend. La flûte. J'ai rarement eu ce jeu aussi redondant quand même. Bah écoute, Yamete, ça va bien et toi? Bah flûte quand même. Buried Bones, faut que je vois, je sais pas du tout ce que c'est. Bon. C'est... Oui, bah je vois pas ce que je vais faire de plus là. Au bout d'un moment, je vais brûler toutes ces reliques. Tu veux pas te coucher alors que t'es malade? Très bien. Elle va finir par mourir de froid, elle, hein. C'est terrible! Enfin, la moitié du jeu, ça aurait été juste de faire ça. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Ça, si à moi j'ai du combustible pour faire de l'eau en plus, ça va être chaud. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Combien il me faudrait déjà? Il me faut de l'eau, il faut un truc d'eau pour ça. Il me faut un filtre. J'ai pas de quoi faire un filtre. Problème réglé. Chaud. Bah, tu te sens mal, ouais, j'imagine. Je conçois que tu te sentes mal là. Il fait moins 4 degrés depuis 3-4 jours. Bon, il y a un moment, ton corps, il te dit que t'es malade. Je comprends, Anya, je comprends. Je peux vraiment pas faire grand-chose pour toi parce qu'on a épuisé toutes les ressources qu'il y avait autour, mais. Ah là là là. Ça devient. Un peu longué. Pour un jeu aussi plaisant et qui se voulait aussi novateur. Alors je sais pas si c'est vraiment moi qui ai pas de chance dans le scénario. Si le fait que j'ai consommé du bois tout à l'heure et que j'avais donc pas de hache me mettre si mal, mais là. Non, là quand même c'est dur. Elle est triste maintenant en plus. Bah oui, mais bon. Sois triste. À très fin, triste. Ouais. Bah écoute. Tant mieux pour toi, Anya.
Bon, je vais pouvoir survivre en gros 5-6 jours max après. Bah c'est que là vraiment, enfin j'ai exploré tout ce que je pouvais. J'ai plus de ressources à aller chercher parce que j'ai pas de lame de scie et j'ai pas moyen d'avoir une lame de scie. C'est-à-dire que je m'attendais vraiment pas à arriver à un moment comme ça où j'allais faire jour nuit, jour nuit, jour nuit. Enfin... J'ai des diamants et tout et j'ai personne pour rien échanger. Mais c'est une infamie quand même. Non, le voisin, je suis retourné après, il me dit oui, regarde dans l'armoire, il y a des trucs pour toi. J'étais déjà pris du coup. Enfin, ça devient incroyable. Ah oui, non, mais c'est dur aussi pour les civils, je conçois, mais... C'est pas dur quoi, c'est que je clique sur fini. Ah, la guerre est terminée. Ok. Tito a survécu. Oui. Ruben est mort. J'ai pas de médicaments pour lui. Se dit pour avoir des médicaments, j'aurais pu faire comment? Faut que je satisfasse le voisin. Une fois que le voisin est satisfait, donc il me faut du combustible et un autre jour de la bouffe, on va dire. Après ça, il me donne une scie. Faut que j'aille chez les bandits pour espérer avoir des médocs. Mais Ruben, je suis pas sûr qu'il survive autant. Hein. Je suis vraiment pas sûr. Ça m'a un peu gâché le scénario, tout ça, mais. Ah oui, il y a plein de trésors qui vont avoir disparu. Hein. Clairement. Clairement, mais bon, il n'y a pas le choix, c'était la survie. Hein. La survie avant tout. Très bien. Alors, je vois pas comment je suis censé. Enfin. Je peux le refaire en mieux. Mais mesdames, messieurs, voici la fin de ce scénario. Quelque peu décevante en fait, à force de faire. Passer la nuit, machin, machin, machin. Et ouais, seul truc, c'est qu'au début, j'aurais peut-être dû brûler plus d'œuvres pour pouvoir faire l'atelier rang 2 et faire une hache. Je vois que ça. Ce qui m'aurait fait une grosse économie de bois qui m'aurait permis de faire d'autres choses, mais là, c'est à peu près vraiment le seul truc que je vois qui aurait pu être correct dans l'idée. Et encore, hein, si je vais chercher mes docks, ça veut dire que j'ai pas le thermorégulateur. Du coup, je ne sais pas. Ce serait mieux passé. Peut-être, mais encore une fois, je vois pas où est-ce que j'aurais pu avoir de nouveaux trucs, de nouvelles œuvres, par exemple. Enfin, mesdames, messieurs, sur YouTube, eh bien, n'hésitez pas, comme d'hab, liker, partager, voire disliker, hein, si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à expliquer pourquoi. Là, malheureusement, je peux pas faire beaucoup plus pour cet épisode, mais je pense faire d'autres let's play sur les autres DLC du jeu, hein, qui offrent peut-être un peu plus de rebondissements, on va dire. Je vous fais des bisous, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao.